ne reste que 3 semaines avant l'échéance de notre campagne de souscription. C'est justement la raison pour laquelle nous devons contacter le plus de personnes possible. Mais vous lui avez parlé ? Oui. Jerry, tout le monde est exténué, mais nous n'allons pas marquer le pas alors que nous sommes si près de notre objectif. Oui. Oui, c'est certain. Oui. Bien. Écoutez, tout ce que je désire, c'est que vous essayiez. C'est ça, merci. Au revoir. L'homme qui officie dans les murs de cette paroisse est à la fois un apôtre moderne et un entrepreneur, comptant parmi ses outils de travail une Bible, un rosaire et une calculatrice. Son nom, le père Marc Cassidy. Son âge, 42 ans. Un homme aimable et digne qui est en passe de découvrir que l'un de ses comptes est toujours en activité. Un compte inscrit au nom de la culpabilité et dont les opérations sont tenues dans un registre conservé dans la 5e dimension. Comment allez-vous, mon père? Le petit déjeuner est servi et le bacon est croustillant comme vous l'aimez. Je crains de ne pas avoir le temps pour manger, Maggie. Je dois rencontrer les gens de la fondation Trotswell ce matin. Mais en revanche, j'accepterai un café. Et que diriez-vous d'une nuit de sommeil? Je vous en prie, Maggie. Nous avons trop besoin de leur participation. D'ailleurs, j'ai promis à l'évêque de l'obtenir. Il n'y a pas de tasse plus grande? Tant que vous y êtes, vous devriez le boire directement dans la cafetière. Oh, mais je sais ce que vous allez répondre. Ce que vous faites de votre vie ne regarde que vous et vous seul. Merci. Mais ce que vous en faites est loin d'être raisonnable. Il faut que j'y aille. Vous travaillez beaucoup trop dur sur ce projet d'hôpital. Vous ne vous alimentez pas correctement. Vous ne vous reposez presque jamais. Croyez-moi, continuez comme ça et je veux bien parier que vous serez le tout premier client de cet hôpital lorsqu'il ouvrira enfin. Il est destiné aux enfants et je crains qu'on n'y veuille pas de moi. Et moi, je dis que vous êtes pire qu'un enfant pour ce qui est de faire attention à votre santé. La cloche vient de sonner, Billy. Tâche d'avoir l'air au moins un tant soit peu essoufflé. Merci, mon père. Dépêchez-vous, appelez du secours! Enfin, mon père, dites-moi ce qu'il y a! Père Marc! Répondez-moi. Non, non, ne regardez pas. Il s'est produit un terrible accident. Il faut aller chercher du secours. Vous entendez? Il faut... Je me souviens de cet hôpital lorsqu'il ne s'agissait encore que d'un rêve. Monseigneur Perrault, quelle joie de vous avoir ici. Je suis toujours impatient de venir. Ça me sort de la ville et ça me donne l'impression d'être indispensable. Vous permettez? Je vous en prie. Comment va notre évêque? Oh, il est surexcité. Je ne sais pas ce que vous avez raconté à ceux de la Fondation Trotswell hier, mais ils n'ont pas cessé de nous téléphoner depuis ce matin en nous demandant, en nous suppliant
de leur expliquer de quelle façon ils pourraient participer à la construction de l'hôpital. Marc, quelque chose me dit que nous allons atteindre notre but plus tôt que nous le croyons. Est-ce que ça va? Oui. Je crois que ça doit être l'émotion d'avoir abouti. Oh, ce n'est sûrement pas trop tôt. En venant ici, j'ai discuté avec cette chère Madame Duggan. Elle considère que vous travaillez beaucoup trop. Je me sens tout à fait bien. Je travaille, c'est certain, mais vous aussi? Moi aussi, en effet. Cependant, j'aime jouir de mon temps libre, vous savez. Marc, depuis 20 ans que nous nous connaissons, jamais je ne vous ai vu prendre de vacances. J'avais sans doute trop à faire ici, voilà. Je sais, mais si nous ne vous avions pas eu, Saint-Timothée aurait cessé d'exister il y a des années de cela. Mais il vous faut un répit, et je veux que vous l'acceptiez. Monseigneur, avec tout le respect que je vous dois, le voudrais-je que je ne pourrais m'arrêter actuellement? Nous sommes beaucoup trop près de l'échéance. Mais Marc... J'ai promis devant tous ces enfants et leurs parents que je ferais bâtir cet hôpital. Ils comptent trop sur moi. Et si je suis fatigué, ce ne sera qu'un prix bien léger à payer au regard de ce que ça va leur amener. S'il vous plaît, ne me demandez pas de m'arrêter. Pas avant que ce soit fini. Et le père Damien regarda le lépreux comme s'il était son frère. Il ôta la pipe de la bouche du lépreux, puis il la plaça dans la sienne. Oh, c'est dégoûtant. Oui, je sais que cela vous paraît atroce, mais en fait, par cet acte d'abnégation, le père Damien a offert au lépreux une chose des plus précieuses. Il lui a offert la dignité. Bien, je n'ai pas dit que vous deviez vous aussi courir le monde pour aider les lépreux. Mais il y a des quantités de sacrifices que vous pouvez tous accomplir dans la vie et qui vous rendront semblablement dignes aux yeux de... Seigneur. Père Marc! Je reviens tout de suite! Attendez! D'où il a filé? J'en sais rien.
Lorsque le père Marc est venu me voir la première fois pour me soumettre à l'idée de réunir une somme d'argent pour construire un hôpital, ma réaction fut celle-ci. Nous devrions enrichir plutôt notre collection de faïences. Réunir 2 millions de dollars, je dois avouer que j'étais assez peu convaincu. Mais, bien heureusement pour nous tous ici, lui l'était. Père Marc, c'est grâce à votre conviction, mise au service d'un travail sans relâche, ainsi qu'à votre dévouement envers tous les enfants de cette communauté, si ce n'est d'ailleurs envers l'humanité tout entière, que notre objectif va pouvoir se réaliser enfin. Nous allons faire construire l'hôpital pour enfants. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Et j'ai le bonheur de vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera désormais sous le nom de Pavillon Père Marc Cassidy qu'on appellera cet hôpital. Un discours, père, un discours. C'est un immense honneur. Je devrais être ravi. Mais je ne suis pas sûr de devoir mériter ça. Je crois que nous nous rendons tous compte de l'émotion intense que représente ce moment. Par conséquent, je vous invite à aller boire des rafraîchissements. Ils sont servis au sous-sol de la chapelle. Le jardin est magnifique. Je m'étonne que vous n'y veniez pas plus souvent. Je n'ai pas assez de temps. Pour des personnes dont le travail consiste à prêcher l'éternité, n'est-ce pas? Quelle ironie, enfin, que nous n'ayons pas un instant à consacrer pour nous-mêmes. Oh, mais ces roses sont splendides. J'avais une amie dont c'était les préférées. Savez-vous que l'évêque ne tarit pas d'éloges à votre égard? Il considère que vous avez accompli là un authentique miracle. Ah, je vous en prie, dites à l'évêque qu'il réserve ses louanges à des personnes qui en soient plus dignes. C'est qu'elles sont peu nombreuses. Monseigneur, je ne suis qu'un prêtre. Non, vous êtes un bon prêtre. Et dites-vous que le Seigneur ne vous en estimera pas moins si vous vous complimentez de temps à autre. Je me permets d'en douter. Oui, le fait est que c'est un bon sujet de réflexion, quoique désormais vous aurez du temps pour y méditer. Non, il y a encore trop à faire ici. Marc, ce que je dis n'est pas une requête. En fait, l'évêque exige que vous vous arrêtiez. Que faites-vous de la collecte de vêtements, du spectacle et aussi des frais d'exploitation? Ne vous rendez pas la vie aussi compliquée. Laissez à d'autres le soin de faire cela. Non, personne d'autre. Vous ne pouvez pas comprendre. Dieu aspire à ce que j'accomplisse une chose, et c'est ici que ça doit être. Il est hors de question que je parte avant de découvrir ce que c'est. Mais de quoi s'agit-il? Quand vous êtes arrivé ici, Saint-Timothée paraissait promise à être démolie. À présent, nous avons restauré l'église, nous avons une école et puis l'hôpital. La paroisse n'aurait jamais survécu sans votre contribution. Vous avez bâti de nouvelles fondations, et désormais, Saint-Timothée n'a plus aucun besoin d'aide. Oui, mais moi, que dois-je faire à présent? Dieu vous a chargé d'une mission, et vous l'avez réalisée. Croyez en lui, il vous signifiera que faire. Que désirez-vous que je fasse? Je vis avec la mort de Kelly jour après jour. Je ne cesse pas de l'entendre crier, pleurer. Marc, aide-moi. Tout cela est tellement dénué de sens. Pourquoi elle? Pourquoi n'a-t-elle pas été éjectée de la voiture à ma place alors que c'était normal? Est-ce qu'il était nécessaire de laisser arriver une telle chose? Je trouve que c'est immérité. C'était moi le lâche, en fait. J'ai fui les flammes. Et cela m'a terrifié. Je pouvais la sauver. Il est évident que j'aurais dû la sauver, mais... j'avais trop peur. J'étais effrayé. Et je suis parti.
votre miséricorde. Mais je sollicite votre pitié. N'ai-je pas encore été assez châtié pour mon acte? Pitié. Je ne saurais endurer cette épreuve encore longtemps. Dites-moi, pourquoi tout cela arrive-t-il? Belle journée, mon père, n'est-ce pas? Oui, une belle journée. Vous avez l'air parfaitement reposé ce matin, mon père. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Un message délivré depuis des milliers de chaires d'église à l'intention de millions d'êtres humains désireux de connaître la paix, y compris à l'intention d'un prêtre exerçant dans une petite paroisse et pour qui le chemin qui mène vers la paix et le salut a traversé la cinquième dimension.